Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freeradattitude.com, spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Je viens de tester chez Salomon, nouveauté dans la gamme Quest, la gamme Q. Donc le 104 Lab, donc nouveau ski. Un ski donc qui reprend un petit peu, on va dire, plus ou moins les lignes du code du Q105. Mais bon, ça a quand même été revu. Donc dans le lab, ben, on va sur la haute technologie. Donc on a durci ce ski avec un noyau qui est vraiment beaucoup plus épais et un champ en sandwich qui vient sur tout le long du ski. Donc vraiment apporter plus de dureté, plus de précision. On a un ski qui garde un bon rocker en spatule, hein, qui démarre très progressivement. Alors ce ski, ben, par rapport au Q105, on sent de suite qu'on a un ski qui est plus rigide sous le pied, qui a plus de nerfs, plus de retour. Néanmoins, la spatule, avec toujours le noyau, hein, qui est ici grosso modo allégé, le noyau qui s'arrête un peu plus tôt, on sent vraiment un bon travail de la spatule et on sent vraiment ce ski qui va absorber de suite, dès qu'on sort, toutes les aspérités, toutes les irrégularités de la neige. Hein, c'est vraiment un ski qui passe très très bien dehors. Dès que c'est un peu trafolé, dès que c'est un peu tracé, ça avale, ça passe très très bien. On a une bonne portance. Derrière, on sent qu'on a du talon, on sent qu'on a du renvoi, on sent un ski nerveux sous le pied qui vous projette bien. Sur la piste, bah, c'est un régal. Vraiment un gros ski voilà, avec lequel on peut appuyer fort, qui tient très très bien à grande vitesse, qui garde un super carving bah, grâce aussi à ces spatules. Hein, vous voyez le point large, pareil, qui est rabaissé, de manière à avoir des bons déclenchements et vraiment pouvoir rentrer bien dans les virages. Ouais, c'est un ski, là j'ai testé en 183, je pense par rapport à mes 72 kg, moins 1m77, c'est la bonne taille hein, pour avoir un ski bah, passe-partout tous les jours, mais un ski péchu, voilà, réservé à des bons riders qui veulent skier vite, qui vont en avoir sous le pied. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Il existe en 190 pour des gabarits à mon avis plus lourds que moi. Voilà, je pense qu'en 183 ça reste suffisant et ça reste vraiment un bon produit. Voilà, il est très beau en plus, le Lab. Lab 104. Et ouais, Jérémy avait le ski bleu assorti à son pantalon. Moi, écoutez, j'ai le ski assorti à mon bleu. Bravo. Voilà, gros coup de cœur ce Q104, ce Lab.